L'agence de voyage Croix Vietavet a accueilli le groupe de Monsieur Georges Milly le 8 mars 2016 à Hanoï. C'était le premier arrêt de son séjour de 2 semaines au beau pays Vietnam. Le tour de Vinh est commencé par la visite au Temple de littérature, première université du Vietnam, fondée en 1070 par le roi Lý Thánh Tông. Il était l'origine destinée au prince couronné. Plus tard, il fut ouvert au peuple tout entier, mais le devoir d'entrée passait nécessaire par la réussite à des examens. Le temple est divisé en 5 cours intérieures, séparées par des murs de briques. Ici, on a rencontré les élèves d'une école primaire. Les enfants sont ravis de rencontrer des voyageurs étrangers. Ils agitaient les mains au groupe en disant « Hello ». La deuxième destination à visiter est le parc du mausolée du président Ho Chi Minh, y compris son mausolée, sa maison sur pilotis et le pagode au pilier unique. Ensuite, on a visité la pagode de Trấn Quốc. C'était le premier jour d'un mois lunaire et les membres du groupe ont surpris du coutume des gens ici. En signe de charité, on a libéré des animaux en capture comme oiseaux, tortues. Après le déjeuner au restaurant, on est arrivé à la musée d'ethnographie du Vietnam. Grâce à l'introduction détaillée du guide, le groupe a eu une vue panoramique sur des 54 ethnies du Vietnam, illustrées par le costume et le coutume traditionnel. En route du retour au vieux quartier, on s'est arrêté à une fabrique de laque à Hanoï pour découvrir le processus de fabrication des produits en bois laqué acétique et durable au fil du temps. Le tour de Vinh avait terminé par une petite balade en cyclobus autour du vieux quartier de Hanoï. Malgré un bref séjour, tous les 21 membres du groupe ont capturé rapidement le charme de la ville millénaire où l'ancien et le nouveau se sont interférés.